Wesh wesh petite bande de zouaves, c'est magnifique, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, oui, c'est vrai, je vais très bien, je vous remercie. Alors, vous voyez, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, d'accord? Je suis allé tondre ma pelouse et tout ça. Je suis allé, en fait, je suis allé chez le coiffeur parce que j'avais besoin de faire tondre la pelouse un peu. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et puis, je suis parti un petit peu en vacances. Alors, j'étais absent pendant 2 semaines, je suis désolé. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai retrouvé des amis que je n'avais pas vus depuis belle durée, presque 30 ans. D'accord? Donc, c'est vrai que je suis parti en vacances, je me suis amusé avec eux, je me suis promené, j'ai fait la fête, etc. Et etc. Donc, il y a eu un peu moins d'activité sur la chaîne. Et puis évidemment, hein, moi aussi, j'ai le droit de partir un peu en vacances. Voilà. Bon, mais à part ça, sinon tout va bien, donc rassurez-vous. Ça y est, donc je vous confirme que j'ai acheté mon billet d'avion. Ça y est, c'est fait. Donc je serai bientôt de retour en France. Alors, je serai en France courant septembre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Parce que on m'a tellement demandé quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens. Donc ça y est, je vous le dis, c'est officiel. Au mois de septembre, je serai en France. Donc pour combien de temps je reste, je ne sais pas encore. Pour la simple et bonne raison que j'ai des choses à faire en France, notamment refaire un passeport parce que le mien est expiré. Ensuite, bon, ben, je vais gratter un petit peu. Hein, j'ai trouvé un petit boulot là pendant 1 mois ou 2, juste histoire de pouvoir me refaire un peu une petite santé, on va dire financière, on va dire en France, hein, parce qu'il faut un minimum pour vivre. Et comme je suis assez, économique et assez égoïste sur le pognon, j'aime pas trop toucher à ce que j'ai dans les autres pays. Donc je repars de zéro. En fait, je vais en France et je repars de zéro sans un sou dans les poches. Et puis je vais essayer de faire quelque chose. C'est un petit peu le défi que je me suis lancé. C'est-à-dire que bon, je me suis acheté un billet d'avion, mais je pars avec 0 € dans les poches, ou alors très peu. C'est-à-dire, quand je dis zéro, c'est en fait, je vais pas avoir zéro, je vais pas vous mentir, je vais avoir peut-être aller 20 et 50 € pas plus. Et le défi pour moi, c'est justement, c'est avec en partant avec 20 ou 50 € arriver à avoir une vie normale, c'est-à-dire pendant 1 mois ou peut-être 2 3 mois, je ne sais pas encore combien de temps je reste exactement. Mais le but pour moi, c'est déjà d'une part pouvoir refinancer donc mon passeport. Donc il va falloir de l'argent. Pour avoir de l'argent, ben, il va falloir gratouiller un petit peu ou faire un peu de bisbise. Un peu de bidouille, quoi. Donc, bidouille légale, attention, hein, je compte pas vendre des choses illicites ni illégales, j'ai pas envie de me retrouver, voilà, en cabane. Donc, faire de la bidouille tout à fait légale et honnête. À côté, travailler un petit peu pour pouvoir aussi me payer mon passeport, puis mon billet d'avion, tout simplement. Alors, je me suis promené en Grèce, c'est vrai que bon, j'ai économisé aussi hein, pour partir. J'ai mis de l'argent de côté un petit peu tous les mois, je me suis fait plaisir. Donc maintenant, ça y est, je suis prêt et pareil pour rentrer en France. Voilà tout simplement les nouvelles du jour. Alors, je suis désolé si je n'ai pas été bon, présent, je ne vous ai pas averti pendant 15 jours, mais bon, ce n'était pas prévu. J'ai retrouvé, comme je vous disais en début de vidéo, des amis que je n'ai pas vus depuis, on va dire, une bonne trentaine d'années. Donc évidemment, nous avions plein de choses à nous dire, on en a profité, on était content de se revoir, on a fait la fête et blablabla et blablabla. Donc voilà, toutes les nouvelles. En attendant d'écouter, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, évidemment, la vidéo FAQ qui est en attente depuis très très longtemps sortira bientôt, je vais m'y remettre. Je vais préparer vos questions et je referai bientôt une vidéo FAQ, ne vous inquiétez pas. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous fais plein de wesh wesh, hein. Soyez heureux avec ZDX et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.